Bon matin, chers Dynamo. Ici Noah Rivard et Jérémy Laverne. Bienvenue à l'émission En bref de ce vendredi 8 mars 2019. C'est aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Nos salutations à vous, mesdames. Aujourd'hui marque également la 5e journée de notre défi 20 jours santé mentale et bien-être. On vous propose aujourd'hui de prendre un repas en famille sans cellulaire. N'oubliez pas de vous afficher sur les réseaux sociaux en train de relever le défi en utilisant le mot-clic hashtag onestbienESCC. Après son grand succès l'an dernier, la vente de garage pour l'apprentissage sera de retour cette année. Tous les élèves de l'ESCC ainsi que le personnel sont invités à apporter un article qui sera vendu à la vente de garage. Tous pourront magasiner le 28 mars prochain, toute la journée et lors de la soirée des parents. Les profits de cette vente permettront de donner l'accès à l'éducation à des enfants du tiers-monde. Les articles non vendus seront offerts au comptoir populaire, Action internationale et locale. L'an dernier, 850 $ avaient été amassés, ce qui avait donné l'accès à l'éducation à 16 enfants du tiers-monde. Cette année, nous souhaitons amasser 1 000 $ pour donner l'accès à l'éducation à 20 enfants. On vous invite à regarder une vidéo promotionnelle. Au retour, nous accueillons M. Patrick Lafontaine qui viendra nous parler des activités prévues dans le cadre de la Semaine de la francophonie. Donc, ce matin, je suis accompagné de M. Patrick Lafontaine. Ça va bien? Ça va bien, merci. Félicitations pour vos nouveaux studios, Noah. Merci beaucoup, M. Patrick. Donc, M. Patrick Lafontaine, vous êtes le porte-parole de la francophonie ici à l'ESCC. Donc, on va poser quelques questions au sujet de la Semaine de la francophonie. Donc, d'où vient l'idée d'avoir une Semaine de la francophonie? Bien, l'idée vient de la CELF, qui est l'Association canadienne en éducation de langue française, qui lance à tous les années aux écoles le mandat de faire du mois de mars le mois de la francophonie. Donc, cette année, nous allons avoir notre semaine de la francophonie au retour des vacances. Et quel est le thème de cette année? Le thème, c'est francophone naturellement. Donc, c'est quand la Journée internationale de la francophonie? C'est le 20 mars prochain. On va inviter les élèves à s'afficher à hashtag Je suis franco. Parfait. Donc, pouvez-vous nous parler de la programmation à notre école cette année? Mais cette année, nous allons avoir trois activités majeures. Le 19 mars, qui est mardi en revenant des vacances, on va avoir une journée vert et blanc. Ensuite, le 20 mars, on va vous lancer une surprise à travers du bulletin de nouvelles avec discussion avec vos enseignants en salle de classe par la suite. Et le 21, le clou de la semaine sera un spectacle d'humoristes. Alex Roy sera ici à l'ESCC pour vous divertir en français. Donc, finalement, quelle est l'importance d'avoir et protéger notre école francophone? Mais je pense que c'est important d'avoir un milieu où on peut s'exprimer en français. L'école, c'est probablement le seul lieu où tous les élèves vivent des activités en français parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses autour de vous autres qui gravitent autour de l'anglais. Donc, c'est important d'avoir un équilibre dans la vie d'un francophone avec l'école. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Patrick. Donc, après la pause, nous aurons la chance de parler météo en compagnie de Fanny Pelletier. Bonjour les Dynamos. Nous aurons droit aujourd'hui à une belle journée ensoleillée. On prévoit du temps doux puisque le thermomètre devrait grimper jusqu'à moins 3. La semaine de relâche s'annonce très belle pour les amateurs de ski. Le temps doux devrait se poursuivre la semaine prochaine. Le mercure pourrait atteindre 1 à 5 degrés en journée. De retour à vous, Noé et Jérémy. Merci, Fanny. Voyage, pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Avis à tous les élèves des cours de français 11e et 12e année préuniversitaire. On aimerait vous rappeler de remettre votre argent et votre formulaire à Mme Séguin ou Mme Bastien. La sortie aura lieu le mercredi 10 avril prochain. Avis aux 12e année. Sachez que la Légion royale canadienne propose une bourse d'aide aux études aux élèves qui ont un membre de la famille qui était dans l'armée ou la gendarmerie royale du Canada. Les détails se retrouvent à l'orientation. Les élèves de 12e année procédaient à la vente de billets des dernières semaines afin d'amasser des fonds servant à financer le bal des finissants et des finissantes. Le tirage d'une quarantaine de prix a été effectué hier.
nous vous annonçons le nom des gagnants et des gagnantes en primeur ce matin. Dara? Merci, Jérémy. Donc, premièrement, deux nuits gratuites dans un chalet pour 4 personnes revient à Terre-Louis-Séguin. Une paire de billets pour une partie du Sénateur d'Ottawa et Lightning de Tampa Bay à Robert Vinette. Un certificat d'or à H. Lalonde. Deux cartes d'essence de 50 $ du SO de Dunvegan à Stéphane Vézina et Béatrice Ditli. Un cadre de Home Furniture Saint-Isidore à Pat Farran. Des instruments de cuisine de la traiteur Bonne Bouffe à Sophie Staples. Un drone de la coop Saint-Isidore à Doug Holmes. Deux sacs cadeaux d'une valeur de 75 $ chacun du Jean Coutu à Annie Soucy et Kim Dubuc. Une carte cadeau de 50 $ du No Frills à Donna Cunningham. Des paniers de fromage à Christian Laflèche de la fromagerie Saint-Albert reviennent à Christian Laflèche, pardon. Une carte cadeau du Moxies de André Service Agri à Lorraine Villeneuve. Une trousse de premiers soins d'Ambulance Saint-John's à Guy Lafrance. Une carte Visa prépayée de 50 $ à Liane Kennel. Un panier de produits canins et un panier de produits félins à Bernard Lécuyer et Mel Gagné. Un chèque cadeau d'une valeur de 50 $ de Serre des Parisiens à Paloma Kinner. Une carte cadeau du Quesada d'une valeur de 50 $ à Francine Fauché. Une carte cadeau pour The Keg de Mainville et Associés d'une valeur de 50 $ à William McNair. Une carte cadeau de Gaz McEwen à Brigitte Vinette. Deux certificats cadeaux à Eric Pizza d'une valeur de 20 $ chacun à Terry Cardinal et Emily Klein. Une carte cadeau d'une valeur de 50 $ au métro à Justin Saint-Onge. Un aspirateur portable de J.R. Adam Saint-Albert d'une valeur de 45 $ à Melinda Bain. Une coupe de cheveux et mise en plis à Lillian Lacroix. Un coupon de service gratuit Sophistica à Julie Saint-Onge. Une planche à fromage et couteau d'une valeur d'environ 40 $ de Les Trésors de Julie à Daniel Brouillet. Une carte cadeau d'une valeur de 25 $ au Giant Tiger à Natercia Gauthier. Un ensemble de shampoings et revitalisants du salon André France à Erin Blair. Des cadeaux surprises de la fleuriste Castleman à Gisèle Letourneau et Sophie Staples. 5 paires de billets admission générale au Cornwall Motor Speedway à Fanny Leblanc, José Racine, Dr. Rachel Navaniline, Lynn Bougie, Robert Villeneuve. Et 3 sacs à surprise du Collège Boréal à Sylvie Saint-Germain, Guy Lafrance et Danick Campeau. Merci, Dara. C'est déjà tout pour SCC en bref ce matin. Bonne journée. Votre émission matinale vous revient après les vacances. Au nom de toute l'équipe d'En bref, on vous dit à bientôt. Bonne semaine de relâche.